Le SIAG est un groupement spécifique de l'Association des communes genevoises. Le SIAG a pour mission d'identifier, de mettre en œuvre et d'assurer l'exploitation mutualisée des systèmes d'information dont les communes genevoises ont besoin pour fonctionner, pour assurer leurs prestations et pour atteindre leurs ambitions. Le SIAG fournit des prestations informatiques qui comprennent des solutions matérielles et logicielles à ses 44 communes membres ainsi qu'au groupement intercommunal pour l'animation parascolaire. Le SIAG est doté d'un comité qui définit les orientations politiques et stratégiques. Celui-ci est nommé par le conseil intercommunal composé des communes membres. La direction du SIAG accompagne et conseille les organes de gouvernance qui comprennent aussi la commission des utilisateurs et elle assure la conduite opérationnelle du groupement. Les spécialistes du SIAG sont chargés d'identifier les besoins informatiques des administrations communales et d'en assurer la mise en œuvre. Ils peuvent compter sur le concours de différents groupes spécialisés, tels que la commission technique et les groupes utilisateurs. Le SIAG existe et opère selon plusieurs principes fondamentaux importants. Renforcer l'excellence dans les prestations pour garantir un service de qualité et performant. Miser sur l'agilité pour anticiper les besoins des communes et garantir l'efficience des prestations. Garantir une approche responsable. Mutualiser les prestations. Assurer une sécurité proactive. Contribuer à Smart City, les communes connectées. Trois axes stratégiques ont été définis pour les prochaines années. e-Citoyen a pour objectif de développer des services numériques pour la population et les administrations. Administration est l'axe stratégique qui soutient l'optimisation des processus des administrations communales et des groupements intercommunaux. Enfin, Air Numérique a pour vocation de moderniser les places de travail et de renforcer les outils de collaboration et de mobilité. Le plan directeur du SIAG est déployé sur une période de 5 ans. Il décrit les programmes et les projets nécessaires pour mettre en œuvre les axes stratégiques. Il précise également les évolutions organisationnelles qui seront nécessaires pour répondre à tous les objectifs. Les défis sont nombreux. Le SIAG est là pour les relever pour vous et avec vous. Plus d'informations seront communiquées sur le site du SIAG et dans des bulletins d'information. Merci de votre collaboration.